Bonjour à tous, c'est Lucien, bonjour, c'est pour une nouvelle vidéo sur une Skoda Octavia de 2021. Donc la nouvelle, comme c'est écrit sur la plaque. Alors, ça, c'est une version normale, hein. Écrit vrai, 32 000, voilà, c'est une voiture. Quand même assez cher, mais dedans. Voilà, je vais vous montrer l'intérieur de toute façon, je vais vous montrer le coffre qui est ouvert. Le coffre est gigantesque. Pour une berline, le coffre est gigantesque. Franchement, c'est le plus gros coffre que j'ai vu sur une berline. Même chez Mercedes, le coffre est 3 fois plus petit, quoi. Sur une classe E, par exemple, berline, ou sur une classe C. Donc voilà, j'appuie sur ce bouton, hop, pour fermer. Coffre qui se ferme automatiquement comme toutes les dernières voitures. Même sur les 2019, ça le fait. Donc voilà l'intérieur de l'arrière. Je vais vous montrer l'intérieur de devant aussi, mais voilà. Bon, ce qui me déçoit un peu chez Skoda, c'est que les sièges ne sont pas en cuir. C'est que les sièges en full tissu, quoi. Même hein. Ça, c'est le truc qui s'ouvre là. Ça, c'est, je crois que c'est ça, c'est chez Peugeot et Citroën. C'est un petit truc pour ouvrir. Si on peut mettre des verres. Là. Et après, il y a un truc pour qu'on ait. C'est sur le coffre, mais bon. Ouais, je vais arrêter parce que sinon je risque de le casser. En plus, c'est 2021 la voiture. Donc, si vous avez les bouches de clim à l'arrière. C'est compliqué de passer là-dedans. En plus, c'est un peu plus, ça ressemble un peu plus à la superbe que la version, que l'ancienne, que la 2017. Donc voilà, déjà il y a un tout nouveau volant, donc avec un cockpit digital juste devant. C'est un tout nouveau volant, donc avec ici volant chauffant, commande vocale, et là c'est pour changer genre de musique sur l'écran qui est là. Ici, je sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est pour le régulateur ou limiteur de vitesse. Si vous avez des flèches, voilà. Si vous avez une boîte méca 6 vitesses, boîte mécanique, boîte manuelle. Si vous avez le frein à doigt, donc c'est le frein à doigt parce qu'on fait qu'un doigt, ça. Ça s'appelle comme ça. Donc là, vous avez les deux trucs, les deux ronds pour poser le verre. Si vous avez d'autres. Tout pour le rangement derrière. Ici vous avez les condos qui n'ont pas changé par contre. C'est toujours les mêmes qu'en 2017 ou qu'en 2018 ou les 2019. Ici il y a le contour qui est typique de chez Skoda, c'est-à-dire des fois les tours c'est 10, 20, 30 et sur certaines des fois c'est 10, 15, 20, 25, voilà, des trucs comme ça. Donc si vous avez le bouton pour démarrer la voiture, si vous avez ça, c'est pour le, je crois que c'est pour le start and stop, je sais plus, mais je crois que c'est pour ça. Si vous avez la boîte à gants, bon, il n'y a rien dedans. Si vous avez le truc pour baisser les vis, ça c'est sur toutes les voitures. Le logo Skoda là, au contour. Noir, le mets. En plus, je préfère le nouveau volant qu'on parle à l'ancien. Je recule aussi pour que j'ai une meilleure vue. Attends. Ça prend 3 heures, mais c'est pour que j'ai une belle vue sur le tableau de bord et l'intérieur. En plus, pour baisser, c'est ici. Comme ça, faut appuyer pendant 3 heures pour parce que le téléphone il zoome un truc de dingue. Je peux même pas voir, je vois que le milieu du volant là. Hein. Comme ça, on voit un petit peu plus. C'est faire la meilleure vidéo possible. Si vous avez un petit côté en fer, enfin, un truc noir avec un côté chromé, la boîte de vitesse, votre méga 6, voilà, c'est ça, vous l'avez vu. Si vous avez ça pour les avec les bouches de clim, on peut passer un peu au diamant qu'il y a chez Bentley ou chez Rolls, mais bon, on n'est pas dans une Rolls ou une Bentley. Si vous avez le bouton warning, hein. Ça c'est pour fermer les moteurs, ça c'est pour la clim, ça c'est pour genre, chauffer le pare-brise quand c'est gelé. Ici c'est pareil, mais pour l'arrière. Ici vous avez le parc assist, hein, ça que ça. Assist le P, donc ça c'est par K6 et ça 7
Pour, je crois que c'est, je sais plus. Hein. Donc, si vous avez des trucs pour l'USB. Donc, en haut. Donc, vous avez en appuyant, vous pouvez ranger les trucs ici. Il y a le bouton SOS, moi je vais pas appuyer dessus. Non, je vais éteindre les lumières, sinon ça. Donc, comment j'éteins ces lumières, machin, bon, je pars, c'est pas grave. Parce que ça va gêner. Ouais. Si vous avez les lumières, les phares et tout. Ouais. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une voiture 2021. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. C'est une voiture 2021. Donc, c'est une voiture récente. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye bye.